Bichut Marev Ravotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une super belle histoire qui s'est passée ici à Ashdod. Vous ne pouvez même pas imaginer la grandeur et la valeur de cette histoire, qui veut dire combien Kadosh Baruch Hu il protège ceux qui s'occupent des tzadikim. Il y a un juif qui s'occupe de la tombe de mon père à Ashdod. Ce juif-là, il est chaque jour celui qui ferme le mausolée de mon père, celui qui l'ouvre, celui qui l'embellit, celui qui lave le parterre, il s'occupe comme s'il s'occupait de sa maison. Le pauvre, il a eu un événement, son fils, il est décédé malheureusement dans un accident. Le pauvre était jeune, il avait 20 ans. Et le pauvre, c'était dur pour lui d'accepter ça, lui et sa femme. Bon, à un moment donné, il avait... Et lorsqu'il venait pilonner mon père, et chaque fois il dit à mon père, mais pourquoi ça m'est arrivé ça, pourquoi? Un soir, il rêve mon père. Il lui dit, va pilonner ton fils, et rentre dans la voiture, après, encore une fois, va pilonner ton fils. Et dans le rêve, il rêve que j'étais à côté de mon père, comme ça il rêve. Il se réveille. Alors, il s'est dit, je vais faire pareil, je vais faire comme que j'ai rêvé. Il va pèleriner son fils, il retourne à sa voiture. Après, il va pèleriner son fils, il retourne à sa voiture. Après, il va pèleriner son fils, et lorsqu'il arrive à la tombe de son fils, il trouve là-bas un billet d'un dollar, où il y avait là-bas une bracha, signé David Hanania Pinto. C'est la folie. Il est devenu fou. Il n'a rien compris. C'est quoi ça? Je ne sais pas, moi-même, je n'ai pas l'habitude de donner des dollars aux gens. Je donne des dollars, mais pas signé. Mais je ne sais pas comment. Alors, il me dit, Rabbi David, je ne comprends pas. J'ai été une fois, deux fois, et il n'y avait rien du tout. Et la troisième fois, je trouvais un billet de dollars. Ah, je lui dis, écoute-moi mon fils, Hanania, c'est du verbe mehna, ça veut dire pitié. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il va te consoler pour la mort de ton fils. Hanania, c'est du lehnin, ça veut dire consolation. Parce que mon père, tu es parti à sa tombe et tu as prié, et tu as dit pourquoi, et ça m'est arrivé alors. Mon père, quelque part, il a voulu te consoler avec mon nom. Là, je ne cherche pas trop à savoir. Moi-même, je suis très, très, très perturbé par ce rêve-là. Mais celui qui croit en Dieu, les portes du ciel, ils sont ouvertes pour lui. Et je voudrais, par honneur, puis je vous raconte cette histoire-là. Je vous raconte une autre histoire de quelqu'un qui s'appelle, il prie chez nous. Et sur quelqu'un qui prie chez nous à Hanana, sa belle-fille, ils ont trouvé une anomalie chez le bébé, au moment qu'il est parti pour accoucher. Et les médecins lui ont dit, on pense que le bébé n'est pas normal, et bon, tu vas retourner demain, on va essayer de la faire accoucher, mais on vous dit que le bébé n'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le pauvre, c'était la veille de Charnarabba, il était dans tous ses états, il a passé une belle veillée de Charnarabba. Il met l'argent dans la tzedaka. Il dit à Hachem, Bisrod Rabbi Hipido, j'ai envie de passer Rosh Hashanah, j'ai envie de passer Simchat Torah dans la joie, parce qu'en Israël, ils font un seul jour, pas comme en France, ils font deux jours. C'est Simchat Torah et Shemin Hagatzel. J'ai envie de danser, je veux pas. Fais un miracle que le bébé soit normal. C'était quoi l'anomalie? C'est qu'ils ont dit, ta femme, c'est pas normal. On voit que le bébé n'a pas grandi. Il n'a pas grossi et il est à terme et c'est pas normal. Donc, il pèse que 2,1 kg et il devait peser au moins 2,6 kg. Mais on voit tous les radios qu'on a fait, on voit qu'il n'a pas grandi et la tête elle est petite. Et le poids, il n'est pas normal. Et le poids, un chémichement que Dieu préserve. Ils ont rendu le bébé un chémichement. Ils ont
Ils ont massacré la famille. Et maintenant, le grand-père, il prie à Hachem. C'est notre ami, Michael Bessoussan. C'est sa petite fille. Alors, il donne la tzedaka, il prie à Hachem. Et le lendemain, il accompagne sa belle-fille parce que personne ne voulait l'accompagner, parce qu'il s'attendait à des mauvaises nouvelles. Donc, personne n'a l'accompagné. Lui, il arrive à l'hôpital, il leur dit, Be'ezat Hachem, j'ai confiance en Dieu que le bébé, il va peser 2,6 kg. Ils ont commencé à rigoler de lui. Ils ont dit 2,6 kg, mettez-vous. Mais d'après toutes les analyses qu'on a fait hier, le bébé n'a pas grandi. Et le bébé, il pèse que 2,1 kg. Il leur a dit, eh bien, Be'ezat Hachem, j'ai prié toute la nuit, et que Dieu fasse qu'il va peser 3 kg. Alors, ils ont pris pour un fou. Alors, avant de la préparer pour accoucher, ils ont commencé à faire toutes les analyses et voir les analyses de la veille et pour voir est-ce qu'il y a eu exactement, est-ce qu'il y a eu des changements, pas de changements. Et voilà, les médecins, ils étaient comme des fous. Ils n'ont rien compris. Ils ont dit, d'après ce qu'on est en train de voir là, le bébé, il pèse 3 kilos et on voit les photos qu'on voit ici, les photos qu'on voit là. C'est vraiment, c'est pas normal. Et bon, Hachem, 2 heures plus tard, la petite fille, elle est née, et c'est moi qui l'ai nommée, elle est super belle, elle est bien. C'est l'Emouna. C'est l'Emouna. Lorsqu'on a l'Emouna en Hachem, alors, à cause de ce qu'on lui demande, il le fait. Mais, vous savez, chacun de vous, regarde ce monsieur-là, Michael Bessoussan, il a demandé à personne, lui-même, il a prié pour sa petite fille. Avec sa Emouna, eh bien, quand je pouvais l'écouter sa prière, surtout cette soirée là-bas de Hoshana là-bas, les portes du ciel sont ouvertes, et voilà. Mais sachez que les portes du ciel, ils sont tout le temps ouvertes. Pas qu'à Hoshana là-bas. Que Dieu protège, Amen.